Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. On est en fin de journée, il est 18h et quelques et j'ai besoin que mes os reprennent leur place. J'ai besoin d'un bon gommage et je suis devant un hammam, mais pas n'importe quel hammam. C'est le hammam quartier El Khout à Casablanca. Je vous mettrai de toute façon les coordonnées en barre de description. C'est dans le quartier El Khout à Casablanca, pas loin de Sidi Barnoussi. Voilà, c'est un complexe en fait, c'est un grand complexe. Il s'appelle Village Sport. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, regardez, Hammam Eraa, Hammam turc. Ou bien il y a même le hammam traditionnel normal. Hein. Voilà, hommes et femmes bien entendu. Je vous montre niveau tarif. Je vais vous montrer. Alors, hammam gommage 30 dirhams, c'est pour les enfants. Là, il y a juste la pancarte qui gâche le truc, mais quoi, qui cache, pas qui gâche, qui cache. Adulte, hammam gommage 50 dirhams, hammam gommage savonnage 80, et si vous voulez le hammam VIP avec un massage à 150 dirhams. Voilà, c'est-à-dire l'équivalent de 15 euros. Vous avez de la place pour mettre les poussettes et là après vous avez juste à descendre ici. Voilà, je vais montrer un petit peu de l'extérieur. Vous avez juste à mettre l'adresse sur Google Maps et vous trouverez directement. Google Maps et vous emmène direct. C'est ce que j'ai fait. J'ai ni cherché à droite à gauche, ni demandé aux gens, rien du tout. Directement, ça m'a emmené. Voilà, c'est un grand complexe. Vous avez le village sport qui est juste là-bas. Voilà, c'est à l'intérieur ici. Ici, vous avez un salon de coiffure aussi. J'espère que j'aurai le temps d'y aller. Vous avez un café. Vraiment, c'est complet. C'est vraiment complet. Voilà, ça veut dire que tu fais ton sport. Après, tu viens au hammam. Et après le hammam, tu peux faire un broche ou ce que tu veux. Voilà. Et puis après, une manucure et tout. Et après, tu peux aller au café. Allez, c'est parti. On va au hammam. En fait, je vous explique. Ici, il y a la caisse. Voilà. Et vous prenez la formule qui vous plaît. Si vous allez directement après la caisse, ici, c'est le hammam traditionnel normal. Et si vous faites comme moi, hop, vous sortez. Attention aux marches. Et vous prenez où il y a la pancarte ici, l'affiche. Où il y a la poussette, c'est les escaliers. Hop, ici, c'est le hammam turc. On y va. Voilà, je suis sortie il y a un petit moment. Je suis là dans le salon de coiffure. Voilà, est-ce que c'est quartier? Hasna. Hasna, Hasna. Hasna l'gzala. Draifa ou dahakouya. Elle fait bien rigoler et elle aime faire son travail. Elle est très sérieuse, mashallah. Oh, ma quête brouche, zarbouha. Pas de vite, 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 mon mari. Ma tante, je l'ai barra, hadi, hadi. Qui veut être les haine. Non, elle aime prendre son temps parce qu'elle aime faire son travail. Ça se sent et ça se ressent. Vraiment. Voilà, je vais vous montrer à l'extérieur. Regardez, de toute façon, c'est écrit. Hein. Salon de coiffure, il est juste là. Là, il y a une entrée. Voilà. Ici, il y a la salle de sport. Village de sport. Il y a le café pas loin, là-bas. Voilà. Et le hammam, il est juste là. Voilà, où il y a le gros poteau, juste à tourner. Voilà, Allahu Akbar. Ah, il y a l'Eden. C'est moi un petit peu, écoutez l'Eden. Ya Allah, hanamchi. Hachi libre ou nes? Hachi libre ou nes? Li fait barra msaken. Tu vois, chou le bled. Bien entendu, après un bon hammam, surtout le soir, eh ben, il faut aller manger. Et oui, il faut remplir le petit ventre, le kricha. Voilà, c'était pas très loin, c'est sur la grande avenue qui est pas loin du hammam. De toute façon, quand vous passez en voiture pour prendre votre route, normalement, vous trouvez cette grande avenue bien éclairée, là, la nuit, où il y a pas mal de choses, il y a pas mal de restaurants, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et nous, on voulait un bon poulet, voilà, et je voulais goûter la shawarma. Shawarma, c'est comme un kebab, c'est exactement, voilà, pratiquement la même chose, mais juste
avec des épices différentes. Voilà. Et un panaché. Alors, panaché chez nous, c'est un jus de fruits. Voilà, avec plein, plein de fruits. Et en repartant, bon, là, je ne me suis pas laissé tenter du tout. J'ai dit, allez, il faut être raisonnable quand même. Il y a plein de gourmandises. Beaucoup, beaucoup de gourmandises. Mais j'ai voulu filmer pour vous. Voilà, bah, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent et que ça leur manque. Voilà, j'ai voulu. C'était un petit clin d'œil pour vous. Là, c'est les riz. Voilà. Fait maison de chez eux. Il y a pas mal de gâteaux bah, qu'on trouve avec le galetta aussi. Du bled. En bas, c'est pas de l'alcool, hein. Pas du tout, c'est des boissons énergisantes. Voilà, et bien entendu, raïbi, du raïbe fait maison. Voilà, quand vous trouvez comme ceci que c'est pas fermé sur le dessus, ça veut dire que c'est vraiment du fait maison. Un autre jour, dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses, vous allez voir. Elle n'est pas trop trop longue non plus, mais il y a beaucoup beaucoup de choses. Là, c'est une riata, hein. C'est-à-dire une couturière qui fait du sur-mesure, mais pas que. Elle fait aussi de la location. Elle est bien entendu à Casablanca, fil Hey Mohammadi. Elle s'appelle Hanen. Elle est exquise. Hanen, la douze hana, kan bousek bzaf, ghzala, machallah, tabakallah, elle est vraiment, vraiment, kan ahmaq, elle est draïfa, bzaf, machallah. Voilà, je vais vous montrer les modèles qu'elle peut avoir. Vous pouvez la contacter dans le numéro qui s'affiche là maintenant sur WhatsApp. Elle fait aussi les livraisons. Voilà, puis vous pouvez voir directement, bien entendu, avec elle. Alors, elle a plusieurs modèles, hein. Des belles tenues vraiment magnifiques de toutes les couleurs avec de la qualité, de la très bonne qualité. Voilà, ça c'est du tissu crêpe. Voilà, et après, vous pouvez voir en fonction, en fait, des modèles par rapport à la couture. Bien sûr, c'est du sur-mesure, quoi. Si vous êtes ici, si vous venez directement ici, elle va prendre vos mesures. Sinon, ça sera détail. Voilà, si vous faites du M, du L, du XL, etc. Regardez-moi celle-là. Elle est magnifique. Elle est fine, regardez. Regardez le travail. Les mains aussi. Regardez au niveau du col et de la poitrine et ça descend. C'est une deux pièces comme ceci. Magnifique. Là aussi, vous avez la verte. Non, regardez en bas. Ça change. Ça, c'est super parce qu'en fait, c'est où vous pouvez la mettre. En deux, ou bien vous la mettez en une, c'est-à-dire celle qui est en dessous, vous la mettrez toute seule. Voilà, ça vous fait deux tenues. Vous avez plus foncé. Ouais, dans le khadar malaki. Regardez-moi ça, regardez le travail quoi. Alors, la rose aussi, la fuchsia, elle est magnifique. Si vous avez un événement, si vous avez un mariage. Oh, Hadatoub. T'as des crêpes. Ah, crêpe de soie. C'est léger, c'est fin. Waouh. Le noir, c'est toujours attirant, c'est toujours. Elle était hier sur le mannequin, c'est. Regardez-moi ça. Non, mais les détails, quoi. Les détails. L'orange. Vous avez aussi pour des jeunes filles, si vous avez des petites ados ou même des toutes petites. Hein. Voilà. Les deux couleurs se marient très très bien. Le vert avec le fuchsia. Regardez-moi celle-là. Habillée, c'est vraiment autre chose. Hein. De l'épaule jusqu'en bas. Allez, comme ça. Regardez-moi ça. Celle-ci, la violette. Ça se fait plus beaucoup, hein, les ceintures bien grosses. C'est plutôt du fin.
Il y a de tout, mais c'est vrai que quand c'est bien travaillé, ils mettent plutôt des ceintures assez fines maintenant. Ouais, dis, Smita, le velours, yek. Le velours. C'est du velours, mais fin, comme j'ai, en noir. Zelle. Super bien travaillé. Regardez-moi celle-là. Waouh. C'est du vert royal, ça. Khadar Melek. Et dans le dos hein, aussi. On chauffe d'har. Ah oui, khadam d'har. Vous avez vu? Regardez. Jusqu'en bas, toujours, pour faire le rappel. Hadi Kaki. Voilà. Cool, she's win. Tu vois qu'Allah, masha'Allah. Jilab. Ici, c'est le côté des jilabas. Pareil, vous avez plein de tissus. Bah là, voilà, avec l'hiver qui vient de se terminer, le printemps qui commence. De belles couleurs. Regardez-moi celle-ci. Celle-là est trop, trop belle. Une couture assez simple et c'est ça qui fait la différence, en fait. Des petits accessoires qui font vraiment toute la différence. Vous avez du mauve, du parme, je dirais plutôt du parme, avec les broderies ici, sur les manches également, pour faire le rappel, en écru. Ça, c'est si vous voulez plutôt du simple, regardez, c'est simple, mais là, regardez, sur le côté, c'est bien travaillé là. Vous avez plusieurs en plus couleurs, là aussi, sur les deux côtés. Ah, et sur, au niveau des épaules en haut, sur les manches. Tu as dit crêpe de soie. Crêpe de soie, regardez, ça bouge tout seul. Le vert pistache, elle a dit. Au niveau des manches, là, ici en bas. Tu as dit, une herzelle. C'est printanier, c'est estival. Avec les beaux jours qui arrivent. Je vais me dire, ici, il fait encore plus chaud qu'en France. Celle-là est belle aussi. C'est, elles sont toutes différentes, vous avez vu, l'une des autres, c'est autre chose. Hadi Randa. Ah, ça c'est Randa, ça c'est 100% marocain. Ça c'est Hadi Bellid. Randa. Ouais, c'est bien connu ici. Alors ça c'est la machine au computer, par ordinateur. Regardez, la précision. Ce qui est bien, c'est alaykoum salam. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs coloris. Hein. Je vous fais dire. Magnifique. La rouge, c'est attirant aussi. Alors ça, regardez, c'est un tissu bien particulier. Ça s'appelle johara. Vous pouvez faire dirkmis, comme ici. Si vous pouvez faire une jilaba, ou si vous pouvez faire deux pièces, également. Un motif ici, ça s'appelle les quatre fils. Voilà, regardez, c'est de la tenue. Hein. Au niveau des manches aussi. Ouais, c'est selon vous, vos besoins. Si vous aimez que ça soit bien travaillé, pas assez. Vous aimez les perles, plutôt de la broderie, tarzou. Ça dépend, voilà, ça dépend de ce que vous aimez, ce que vous voulez.
Regardez celle-ci. Super bien travaillée. Vraiment de partout. La matière est vraiment... Ça se voit que c'est du premier choix, c'est de la bonne qualité. Au niveau des manches aussi, là, au niveau du coude, c'est magnifique. Regardez-moi ce travail au niveau du dos. Regardez-moi ça. Et là en bas. Et bien, si vous avez des mariages, une fête, une circoncision ou n'importe, Ramadan, il est là. Bientôt, Inch'Allah. Et bien, vous savez où venir si vous êtes du coin, ici à Casa, ou si vous allez venir, Inch'Allah. Ou bien, prenez contact directement avec elle sur WhatsApp. Voilà, je vous mets les coordonnées en barre de description. Je vous les affiche aussi ici. Comme ça, vous avez le contact très facile. Regardez-moi ça. Wow. On est deux. On s'appelle deux Leïla. Au niveau des manches aussi. Voilà, regardez. Là, je vous mets le numéro de téléphone. Je vous l'ai déjà affiché. Voilà. Je vous montre aussi au niveau des extérieurs où c'est. On est fil Hay Mohammedi à Casablanca. Al-Qaisariya Djal Aqba. Aqba Bounounafi. Voilà, c'est connu, vous avez pas mal de choses, hein. Voilà, et c'est franchement la meilleure. Je vous dis la vérité, c'est la meilleure, avec beaucoup, beaucoup de qualité. Voilà, si vous prenez juste un taxi, le transport, vous le... c'est connu, c'est vraiment très, très, très connu. Vous avez une entrée là-bas au fond, vous avez une entrée ici aussi. Voilà, et vous avez une entrée ici. Voilà, et puis moi, je habite juste à côté. Ma mère habite juste à côté. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'essaie de l'apprendre, alhamdoulilah, j'ai pu le dire. Je suis trop fière de moi, alhamdoulilah. Je me retrouve toujours à Casa, je pars normalement demain mercredi, 16, oui 16. Baraka alia, c'est bon, mes enfants ils me manquent. C'est pas des vacances, c'est pas du tout des vacances. Je vous expliquerai un jour, pas maintenant, voilà, mais je vous expliquerai Inch'Allah. Et des semi-vacances. Alhamdoulilah, j'ai pu venir me ressourcer un petit peu. Ça fait du bien. Là, je me retrouve à Casablanca, toujours, Hay Mohammedi. La Qaisariya Djal Hay Mohammedi. Regardez, là sur le côté, il y a un petit peu de bruit, désolé. Sur le côté, là derrière moi, ils sont en train de faire, je sais pas qui est, je vais vous montrer ça. Devant, il est en train de faire. Les feuilles de briques, voilà, je vous montre ça. Et regardez, je me retrouve en fait dans le coin. Pour ceux qui connaissent Casal et le Hay Mohammedi, la Qaisariya, je vais vous montrer. Regardez, en fait, c'est vraiment dans le coin, vous savez, ceux qui font Shbekia et tout, c'est vraiment le coin. Là-bas, c'est pour aller à, je crois, Hay Mourachif, maman. Bishimchou Nishan, fin. La chauffelier, Chimchou Nishan, Mnin, eh. Voilà, Chili Gulf. Ici, c'est le castor, là, pas loin. Ici, il y a un grand jamais qui est connu. Et c'est celui qui fait l'angle, en fait. C'est celui qui fait l'angle. Là, regardez, c'est celui qui fait l'angle. C'est celui qui fait l'angle ici. Voilà, et ici, vous avez la route. Moi, j'aime pas trop filmer, c'est un quartier très populaire. Je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'extérieur. Mashallah.
كنا. كدير ديال السن لا قطاجي فهمتي لا قطاجي قال لك مهم جوج على جوج على جوج مثلا شحال ندير سبعه مثلا ندير جوج 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 ماشي شحال كتشاط وكتدخل غزاله كنشجن تبارك الله ما شاء الله الله يعاونكم تبارك الله عليكم Alors regardez, j'ai trouvé qui à l'aéroport. L'équipe de WeDead. Voilà, un grand coucou à l'équipe de WeDead qui sont super gentils. J'ai pu discuter un petit peu, on a rigolé un petit peu. J'ai filmé surtout pour mon mari. Il est un grand supporter, fan de WeDead. Hamra, Dima Hamra, voilà, tout le temps rouge. Ils sont super sympathiques. Celui qui est juste en face du monsieur là qui est habillé en rouge, il m'a dit viens filmer, viens photographier, ils sont sans aucun problème, voilà. Pas le blond, celui qui est à côté. Voilà, ils sont tous adorables, la vérité, ils sont super adorables. J'ai pu rigoler un petit peu avant de filmer avec eux parce que je leur ai dit, oh ça suffit parce que quand vous jouez, limite, je peux même pas respirer, je dois aller dans la chambre pour que mon mari puisse vous regarder tranquillement. Bon, là, je suis rentrée à la maison depuis hier soir. J'ai pu retrouver mes enfants, enfin, ils m'ont tellement manqué. Bon, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Je vous fais de gros bisous, à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.